Bonsoir, c'est toujours un plaisir d'être avec vous tout au long de la semaine. Oui. Tatiana, mais viens arriver dans les coulisses. Marie, c'est un coméra, l'a dit, la fée là, mais je peux pas. Si, ça même bonne maquerelle bœuf là, la team maquerelle bœuf, je sais pas quoi là. Non, oh, vous dites des histoires femmes. Bah, n'est-ce pas maquerelle bœuf, ça? Non. Mais si, ben, bah, tout le monde fait coméra, l'a dit, la fée Marie, c'est ça. Allez voir, Azot, justement, les trappes, Azot. Bonsoir, les familles. D'un côté, histoires femmes, un spectacle à ne pas rater le 21 mars, et de l'autre, côté, nous avons les lofters, toujours dans la place. Bonsoir, comment ça va? On a même des cours de Zumba et de souplesse à la maison. Vous avez envie de jouer avec nous? Vous avez l'oreille musicale, vous êtes mélomane. Eh bien, vous pouvez aller sur la page Facebook. Exactement. D'ailleurs, quand on regarde ben, les candidats, hein, pas besoin de repérer un gros niveau. Hein. Okay. Non. Ah, excusez-moi. Non, on ne dit pas ça devant les gens, excusez-moi. Excusez-moi, ça sort tout seul. Alors, tout à l'heure. Peu importe. Quoi qu'il arrive, la famille gagnante, l'a dit ça occupé tout à l'heure, la famille gagnante repart avec un beau cadeau. C'est nous. Le groupe Excel offre à la famille gagnante 3 nuitées avec petit déjeuner. L'hôtel. Ça, c'est pour les gagnants, bien sûr, les perdants. Inquiète pas, nous avons un joli cadeau aussi pour vous. Enfin, nous n'avons pas un, nous avons plusieurs. Regardez. Ne soyez pas déçus, nous avons le plaisir de vous offrir un chèque cadeau à utiliser dans les magasins qui habillent. Consolez-vous en découvrant le phénomène Escape Game chez Get Out. Perdant. Ça reste quand même de très très beaux cadeaux. Oui. Et puis vous repartez aussi avec quelque chose de sympa que vous pourrez ramener à la maison. Regardez. Oasis Productions offre un DVD karaoké de la Réunion à tous les participants. Karaoké. Personne ne suit pas moi là-dessus, il n'est pas grave. Bon, on va voir les familles. Le plus faible, allez voir le plus faible. Oui, salut les filles. Oh ben tiens, on a salut. Perdu Benjamin. Bonsoir Jessica. Non, il a dit plus faible. Bah, c'est plus faible, c'est ça. Oui. C'est vous, c'est vous. Alors, histoire forme, on a perdu Benjam, mais on a récupéré... On a trouvé mieux, en fait, on avait bien compris qu'on allait perdre vraiment avec Benjam, donc on a Jessie Michel. Bonjour. Ok. Bonsoir. Vous êtes des collègues, des copines On peut dire collègues. Collègues. Vous êtes femme. Elle a une femme déjà, à la base. J'en ai plus, t'as bien compris. Oui. Collègues, collègues. Vous faites partie du même spectacle ou pas? Pas du tout. Parce que là, vous défendez les histoires femmes. Des petites scénettes avec des histoires de la vie des quotidienne. Des histoires de vie courante, voilà. De femmes. Des de petits femmes. Morceaux de vie de femmes, le spectacle d'histoires. De maman, de femmes deux, de femmes... De femmes sans enfants aussi. Sans enfants il y a des femmes aussi. Qui ne veulent pas voilà. Se déformer. Hein. C'est vrai. Oui, complètement. Vrai. Mais oui, Jessie Michel n'a rien à voir avec ça. Mais je tenais à ce qu'elle vienne nous voir parce qu'elle fait une chose magnifique. Elle a une association. Tu peux... Et on parle d'enfants. On parle d'enfants et Jessica Pitou est intervenante... Avec les enfants, voilà, d'accord. Pour la télé, les bases de la télé, de la radio, etc., sur les écoles. Et donc, les enfants sont pas c'est lié. C'est top, tout c'est est lié. Carrément. Allez, les filles, histoire forme, le kid-gare, c'est... Manana Gate. T'es dans la racaille, c'est le plateau, de Katiana, ciao. Alors, de l'autre côté, bienvenue à Dinan Dinarcancal, Saint-Malo. Oui. Bonsoir, donc on Bonsoir. A Bianca. Oui. Et les marieurs. Et oui, les petits marieurs, ils sont trop mignons, n'est-ce pas? Oui. Alors, Léa et Mel. Ok, qui sont des collègues à toi. Le cri de guerre de ce côté, c'est. L-O-F-T, le loft. Un jour, le loft, toujours. Bon, ben voilà, c'était le cri de guerre. On voit les scores, Claudio. Ouais, mais ressemble plus à un cri de cheerleader, ça, hein, Katiana. Oui, c'est vrai, ça ressemble pour ça. Donne-moi un A. Donnez un A, t'es Katiana. Bon, laisse tomber. Je voulais monter un spectacle avec toi, aller au Stade de l'Est. Mais là, c'est mort. Alors, le score. Attention, bravo les lofts. Hein, on a 34 points. Allez, en avance. Pour ce mercredi soir, c'est bien, c'est bien. Et juste d'hier, attention, l'équipe Maquerelle-Bœuf. Comment on y appelle encore? Histoire femme. Ouais, ben c'est pareil. Quand les femmes racontent d'histoire, c'est un truc de maquerelle même, ça. Bon, les on en a à peine 26 points. C'est pas beaucoup. Ok. Mais c'est mieux que rien. Ça l'a pas tiré de renfort, mais j'espère que va s'y avazot. Ça vient tout doucement. J'espère. Parce que là, ce soir, pour le premier jeu, il faudra me séduire. M'a mal levé. Il est en colère. C'est dégueulasse. Je peux vous dire tout de suite. M'a envie une chanson d'amour, voilà. Si ça pas d'amour, une chanson d'amour, mais il donne pas 3 points parce que chaque bonne réponse, il vaut 3 points ce soir. Et on commence tout de suite, Katiana. Diazot. On commence par le Caracao.
car à KO, il s'agit de mettre l'adversaire KO par votre prestation, votre voix, l'intensité, l'interprétation, tout ce que vous pouvez mettre dedans. Il faut séduire Claudio, il y a quand même 3 points à récupérer, ça peut faire la différence. On regarde Claudio ou on regarde les téléspectateurs? Un peu des deux. On fait les deux. Opération séduction. Alors justement, c'est vous qui avez choisi, c'est du 1 contre 1. Qui chante et quelle chanson? Quelle chanson? Je ne me rappelle plus. Ça fait rire les oiseaux. Ah, très joli. Heureusement que de l'autre côté ça suit. Alors c'est toi Lisiane? Je qui chante. Contre Léa. Contre moi. Contre Léa. Attention, c'est parti. Pas une chanson d'amour. Ouais, ben tu sais bien que j'aime pas trop les oiseaux. Il y a une fois, il y a un matin qui m'a mordu de le coup. On y va. Éliminatoire. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Oh, 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 rire les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux. Oh, 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 rire les oiseaux. Une chanson d'amour, c'est comme un looping en avion. Ça fait battre le cœur des filles et des garçons. Une chanson d'amour, c'est l'oxygène dans la maison. Tes pieds ne touchent plus la tête et en lévitation. S'il y a des jours dans ta vie, si le soir te fait peur, la musique est là pour ça. Il y a toujours une mélodie pour des jours meilleurs. Allez, tape dans tes mains, ça porte bonheur. C'est magique, un refrain qu'on reprend tous en cœur. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Wow, 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 rire les oiseaux. T'es revenu chez toi, la tête pleine de souvenirs. Les soirs au clair de lune, les moments de plaisir. T'es revenu chez toi et tu veux déjà repartir pour trouver l'aventure qui n'aurait pas dû finir. S'il y a du gris dans ta nuit, des larmes dans ton cœur, la musique est là pour ça. Il y a toujours une mélodie pour des jours meilleurs. Allez, tape dans tes mains, ça porte bonheur. C'est magique, un refrain qu'on reprend tous en cœur. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Claudio. Et c'était très très sympa. Ouais. Alors, c'était pas une chanson d'amour, mais je trouve que c'était très sympa. Ouais, c'est vrai. Elles m'ont identifié à un oiseau, Katiana. Je sais pas comment toi tu trouves ça sympa. Je connais ton petit côté piquant. Tu me blesses là où ça fait mal. Mais c'est pas grave. Moi aussi j'ai aimé, j'ai adoré. Et ce soir, j'ai plus aimé la prestation. Et on connaît Katiana qui est mamie, adore de l'eau. J'aime bien le côté marin. Mais ce soir, c'est toi que j'ai aimé, Lisiane. Tu m'as plus touché. Je vais te donner 3 points supplémentaires. Si, du coup, Zati remonte à 29 points. Bravo, Azol, l'équipe Manana Gang. Et Azol est toujours devant. L'écart se réduit. Oui, l'écart se réduit. Hein. Après, au fur et à mesure de la semaine, les points augmentent. Donc voilà, rien n'est joué jusqu'au vendredi. Tout de suite, c'est le deuxième jeu de la soirée. Il s'agit du Zapping Song. On va vous balancer des génériques de dessins animés, de divertissements, de séries, de films. Question de rapidité, main sur le buzzer. Pareil, vous avez 10 secondes pour nous donner une réponse. Et donc, il va falloir nous donner le titre de la musique du générique que vous reconnaissez. Bon, nous allons mettre tout ça qui passe dans notre télé. Vous allez prêts? Attention. Souvenir, rappel à vous quand vous étiez jeune, sur toutes les filles, vous étiez Yamali. Nicky Larson. Alors, on valide quoi, là? J'ai appuyé de ma main, vu. Oui. Oui. Nicky Larson. Nicky Larson, c'est une bonne réponse. Aucun danger me l'impressionne. Les coups durs, les affectionnent. Alors. Et la justice le passionne. Nicky Larson ne craint personne. Les autres, il y a mal vraiment. Oui, avec Laura et sa grosse massue. Et son marteau. Bonne femme a toujours été comme ça, c'est un jaloux. Mais parce qu'il éveille toute femme, il éveille tout le monde. Mais c'est Nicky Larson.
Enfin. Allez. Bah, on reste dans le même registre. Bon, elle a des animés parce que ça t'aime bien. Faut pas exagérer. On est oui. au collège, fou fou fou. Bravo, Olivia, c'est une bonne réponse. Un collège fou fou fou. Et rien que pour nous. Un collège fou fou fou. Ça sonne les grands chers. Un collège fou fou. Mercredi après-midi, tu seras pas bas comme t'es raide devant Club Dorothée, moi. Sur RFO, oh, les frères. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Jessica? En fait, on travaille pas, donc là. Même il était jeune d'un temps, moi, en fin de compte, par rapport à où. Avec ma crème. Qu'est-ce que j'avais dit? Madame a dit son prénom de famille. Vous rappelez comment Madame t'appelle? Ré, Tête, Jeannot, Dan, Jim. Pas du tout. Mimira fait banane, t'es rapte ici comme ça, après tu mets le dent du haut. Elle fait des gros comme ça. Allez, nous, ça va. Salana, maman, je devrais trouver aussi. C'est une émission qui passe encore actuellement. L'amour est dans le pré. Oui. L'amour est dans le pré, c'est une bonne réponse, Bianca. Présenté par Karine Le Marchand, c'est quoi le principe? Ben c'est trouver un mec dans l'agriculteur pour se marier. Ouais, c'est une boucle, c'est un mec d'un modèle carré chouchou aussi. Et cette année, il y a rayonné dedans. Oui, j'ai vu. Et c'est pas moi. Moi, je suis une cabri, mais personne n'a jamais fait envoyer à moi elle. Venir en compte à moi, c'est déjà. C'est qu'en souvenir, ça a été réactualisé d'ailleurs. Ouais, ça, c'est une série. Nouvelle série. Mais rien que là, on reconnaît. Lisiane, oui. MacGyver. Bravo. Je le savais. Ouais. L'école Katané écrit par Kékat après. Quoi, mais bien sûr, il est censé faire la prévention. Gardez. Bon, MacGyver, il répare toutes les affaires avec son couteau suisse, hyper doué. Et puis là, ils ont refait, hein, ils ont mis un MacGyver plus jeune. Bon, on reste dans le domaine de la série. Ça a sonné c'est une bonne réponse. Bravo, diffusé sur Réunion Première, fait à la Réunion. Diffusé sur la première. Ça, je te connais. Bon, on l'a trompé, on l'a marché vite. Ça, là, c'est un petit télé-réalité. Que pas ça, tu aimes. Si vous allez fort là-dedans. Moi, j'aime bien. Il y en a tellement, hein. Tu vas être rien. T'es sûr que ça existe? Ah, pour le oui. Ça fait genre Noël. Il y a les princes et les princesses de l'amour. Ouais. Qui a déjà vu ça? Une fois. Alors, bien qu'on fait quoi dedans? Ben, un prince qui cherche sa princesse. Ou voilà. Trois candidats, non, trois garçons, je crois que c'est trois des filles. C'est plutôt des... Oui. Les mariés maintenant. Il y en a des garçons et des filles. À chaque fois, vous trouvez l'amour. Un jeune fait sa série au premier, elle est bon? Au moins, c'est célibataire sur le plateau, là. Nous, tout seul. N'y a qu'un tout seul. Deux. Ah, tout ouais. Seul. Ok, merci. Tous célibataires. Tout le monde est marié. Il a pas comment nommer Dixon. Vraiment pas d'autre boucle, vraiment. Bon, allez, c'est parti, ça va trouver. Ça aussi, Lisiane. Oui. Capitaine Flamme, tu c'est n'es une pas bonne de notre réponse. Galaxie. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de préserver la paix dans l'univers, Capitaine Flamme, c'est japonais, et effectivement, c'est notre enfance, Club Dorothée sur RFO. Là, c'était valable, vraiment, tous les mercredis après-midi. Tous les quoi? Les mercredis après-midi. C'est pas la piscine, quoi. C'était plutôt pour les autres, les fermetures de boîtes de nuit. Non, mais en fait, chez les pauvres, on avait juste un luxe, c'était oui, télé. Exactement. Mais en fait, il y a mon catéchisme. Il y a pas mis de sa piscine. Bon, alors, le score, mesdames et messieurs. Bravo à Zod, l'équipe Manana Games, on a 41 points. Enfin, depuis lundi, Zod, tu débattes pour passer devant. Vous allez en tête. Compte 40 points pour vous. Le love, qu'est-ce qui se passe? Un point. Ça, c'est l'investissement, ça. Mais parce que nous, on travaille, on regarde pas la télévision. Attends, on va écouter. Léa, qu'est-ce qu'on l'a dit?
J'ai dit, on est fair play, on les laisse prendre un petit peu d'avance. Alors, Léa, il dit... Attendez, Léa, il dit, il laisse Bana prendre un petit peu d'avance. Bah mais oui. Si ça ne te connaît pas sur Léa, elle n'a pas toujours été comme ça. Tiens donc. Avant, elle était différente. Oh. Oui, elle a... C'est-à-dire, avant, quand elle était plus petite, avant. Elle ne partageait pas. Non. Léa, côté petit conseil que tu as fait. Je mangeais tous les gâteaux. Alors, la fois l'arrivée, vous avez un gâteau. Raconte à nous. Alors. Non, mais en fait, c'est mon tonton qui était parti à la pâtisserie. Il avait ramené 3 gâteaux pour mon frère, ma petite sœur et moi. Et j'en ai pris un, j'ai pris l'autre, et je me suis demandé comment manger le troisième, donc j'ai mis la tête dedans. Et quand Bana va dire comme ça, est-ce qu'il ne partage pas? Il va mettre son tête direct dedans et écraser comme un pésement. Ça, c'est Léa, ça, sur le plateau, avec le bonnet que tu vois là. Elle a changé maintenant. Elle partage. Bah oui, je donne les points maintenant. Gratuit. Cadeau, les filles, cadeau. Surtout, lâche-moi. J'ai bien parti. Profitez, profitez, ça va pas durer. Attention, le dernier jeu de la soirée, c'est la Zicatrou. Ça fait flipper, ça. Hein, c'est un karaoké à trous. D'abord, il manque. Un mot. Je me sens seule. Ensuite, 3 mots. Et enfin, 5 mots. Merci à vous, Léa d'amour, Rio. Ouais, mais tu sais. Solidarité. Bon, c'est Zone a le moins de points là. Le plus faible, c'est ça, ta soirée. Bon, mais bon, c'est un avantage. Parce que Zone a le choix entre. Les enfants, je connais. Sur ma route, Black M. Sur ma route. Connaissez sa zone? Oui. Que vous connaissez pas un quai, hein. Ou bien, L'assassin, Jean-Paul Volney. Ou bien le titre mystère. Que c'est sur ma route de Black M. Qui va? Bah, je vais y aller. Léa. Ça, c'est ta cam, on dirait. Hein. C'est vraiment ce que t'écoutes. Hein. Maître Gims, Black M, etc. Ouais, je sais pas, je suis plutôt confiante. Attention, grosse pression pour vous les filles. Hein. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui. De l'aventure dans le movie. Une vie de route. C'est bon ma... Bah tu vois, t'as même pas compris que t'avais dit le bon mot, une vie de roots, et c'est une bonne réponse. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de roots. Sur ma route, oui, je ne vends plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de roots, sur ma route. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route, j'ai eu des moments de doute, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis un fou. Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute, et dans ma poche, pas un sou, juste la famille entre nous. Sur ma route, il y a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand, et on est seul, on meurt seul. Il y a eu du movie, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma route. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route, on m'a fait des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Tu as dit, mais... Mais je suis sous anesthésie. Ah oui, en plus, t'es dedans. Complètement ouais. Dedans, c'est une bonne il réponse. Il voit sous anesthésie. Ouh, allez. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens qui me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue, mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon cœur est presque endommagé. Oui, mon cœur est presque... Aïe, aïe, aïe. Je suis comme un pirate naufragé. Ah. On n'est pas avec toi. Alors. Oui, mon cœur est presque endommagé. Aïe. Dépêche à où? Il n'y a pas de joker? Non, j'en plus rien, nous. Walid, pas
Allez, il nous faut une réponse. Juste avant. Juste avant, c'était allez. Parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. J'ai envie de bal valider. Oui, mon cœur est presque endommagé, mais du coup, il manque un mot. Ça fait rire, moi, ça. Bah, valide ça. On valide ça ? Mais à mon avis, on n'est pas bon. Du coup, il n'y a rien qui est bon. Ouais. Parce qu'endommagé n'est pas à la bonne place. Oui. Et c'était mon équipage. Ah. Et plus qu'endommagé. Dommage, c'est vraiment à ça, quoi. Dommage. Mais c'est pas mal, je sèche mes armes. Je baisse les armes. Eh ouais. Mais c'est bien joué quand même. C'est bien joué, c'est bien joué. Petit coup de pression pour Histoire Forme. C'est mais de la bonne pression. Je les vois dans mon œil, sur le côté. Je les vois, je regarde. Tu peux les voir. Ouais. Si c'est pas de ton œil, d'où ça. Tu peux éventuellement. Non, de ton œil, ça va être. Alors, la capitaine, c'est quoi t'as choisi comme morceau Sur quoi? Pour la bah, là, vous avez le choix entre Jean-Paul Volney, l'assassin. C'est l'assassin ah ben, avec. Voilà. Ah, ça y est, vous avez choisi l'assassin. Direct. Allez, prends le micro. Prends le micro. Attention. Prends le micro. Allez, viens, Ola, pour l'assassin. Allez, Jessie, fais-toi plaisir. Sans son la réunion. C'est parce qu'on t'aime. L'assassin, 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 il la met sa fondante Bren Mourou Motet. L'assassin. Oh, t'as quoi des nerfs, point d'interrogation, faut arrêter. Alors, Dan Bren Mourou. Alors, à la réunion, on pense qu'on dit comment? Dan Bren Mourou. 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 Tu valides? Aïe, aïe, aïe. Regarde pas banal du tout. C'est toi. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. C'est sorti comme ça. Fais-toi confiance. Ouais, Mouroum. Voilà, on l'a validé. Bren Mouroum, ça c'est typiquement la réunion. Et c'est une bonne réponse. Wouhou, c'est bien. Continue. L'assassin. Oh non, Bren Mouroum. L'assassin. 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 Il a mis sa frandante Bren Mouroum. N'était pas mettre ça dans de la sauce poisson qui arrive au l'ail. Bon bon piment dans le baba figue. Dans le baba figue. Aïe aïe aïe. Bon bon piment dans le baba figue, Carrie. Zot, il pèse le poignet en l'air, Zot. On n'a pas le droit de souffler. On n'a pas entendu. On m'a entendu, Carrie. Donc, Carrie, déjà, on valide pas. Alors, on valide pas Carrie? Non. Non. Donc, cochon. Ah, attends, qu'est-ce que t'as dit, toi? Baba figue, Carrie, cochon. Baba figue, Carrie, cochon. Oui, Marie, bien, c'est Baba figue, Carrie, cochon. Tu valides? Je valide. Et c'est une bonne réponse. Oui, on trouvé. On continue. Les filles. Bon piment dans le Baba figue, Carrie, cochon. Mais la zone dit ce que l'il a fait, la telle fait canaille. Il a fait l'assassin, il a mettre sa frondonne Bren Mourou. L'assassin. L'assassin. L'assassin, il a mettre sa frondonne Bren Mourou, mes amis. L'assassin. L'assassin. L'assassin, il va mettre sa frandonne Bren Mourou. Pâté créole, cabri, c'est ma salée. Aïe, 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 je ne m'y connais pas. Hein. Alors, il y a cinq mots là. Hein. Ouh là, oui. Là. Pâté créole. Cabri, ma salée. Cabri, pomme de terre, ma salée. Cabri quoi? C'est bon ça, non? Alors dis. Tu as bien goûté? On a 10 secondes pour donner une réponse. Hein. Mon Dieu, pâté créole, cabri, massalé, pomme de terre, riz, grain de piment. Alors, je ne connais pas. Pâté créole, cabri, massalé. Allez, pâté créole, cabri, massalé, mais il ne gagne pas aller au-delà. Désolé. Eh bien, figurez-vous que le cabri massalé, il est bon. Ah. Après, c'est où peut mettre safran. C'est juste ça. Massalé? Oui, bien sûr. Ouais, ouais, faut donner un peu la couleur. On ne peut pas laisser une vieille couleur marron comme ça. Ouais, elle est vraie. Et du coup, nous regardons. Sacrilège, la question. Cabri massalé, on peut mettre ça pour les vrais. Bien sûr. Bah ouais, c'est bon, dommage. Arrête avec ça. Bon, oh, allez. Allez. Bon. C'est bien. C'est bien, mais on souffle pas. Hein. Oui, prochaine fois, moi, je sanctionne. Hein. Les soufflettes étaient déjà pas bons. Les soufflettes. Hein. Le soufflage n'était pas bon. Regarde mon figure. Regarde mon figure. Non seulement j'avais des pipelettes, mais j'avais des soufflettes. Bon, du coup, le score. Le score. Eh bien, figurez-vous que les pipelettes l'a gagné ce soir. Zone à 56 points. Bravo! Reste la dernière. Oh là, exactement. Là, là, là. Et de l'autre côté, 52 points. 4 points d'écart seulement. Ça sera bien. Ouais, 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 c'est bien. Parce que demain, c'est jeudi. Demain, c'est jeudi. On joue pour combien de points demain? Demain, c'est jeudi. Nous jouons pour 4 points par bonne réponse. On peut remonter rapidement. Donc, rien n'est joué. Mais on peut découvrir ensemble le cadeau. Bien sûr. On regarde ça tout de suite. Le groupe Excel offre à la famille gagnante 3 nuitées à
avec petit déjeuner. L'hôtel. Et si vous êtes de savoir qui ça et ça va à l'hôtel, il faut regarder à nous tous les soirs sur la première. Allez, viens donner pas mes sons, musique, une dure voix et inscrire dans la page. Fais-le, viens danser ces gars. Allez, viens.